Abraham Lincoln est le 16e président des États-Unis entre 1861 et 1865. Son élection à la présidence sur un programme anti-esclavagiste contraire aux intérêts des États du Sud contribue à précipiter la guerre civile américaine. Pendant la guerre de sécession, il fait valoir de larges pouvoirs présidentiels pour diriger l'effort de guerre de l'Union, c'est-à-dire les territoires du Nord. Le 1er janvier 1863, il émet la proclamation d'émancipation. Cette mesure permet d'affranchir les esclaves dans tous les États. Lincoln est réélu en 1864 et est assassiné par John Wilkes Booth en 1865.